Liège, disait Michelet, est une ville qui se défait, se refait, sans jamais se lasser. Sa métamorphose est constante. Elle se voit sur le paysage urbain perpétuellement changeant. Plus que les hommes, le fleuve qui l'embellit, la Meuse, est sans doute l'artisan de ce prodige. Comment saisir Liège dans son histoire et dans les traits dominants de sa physionomie actuelle? Par sa position de principauté? Par son université, son rayonnement spirituel et intellectuel? Par sa position carrefour, puisque sa province est limitrophe des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg? Par ses activités manufacturières? Cette dernière fonction, souvent mentionnée, éclipse en fait une des activités marquantes de cette grande agglomération, le secteur tertiaire qui a pris depuis longtemps le pas sur l'industrie, regroupée d'ailleurs dans le bassin liégeois, notamment à Sorin. Liège est donc une cité en pleine expansion, un carrefour autoroutier et ferroviaire d'importance continentale, un port fluvial, le troisième d'Europe, et, pour le touriste, un centre d'art. La reprise des travaux d'aménagement de la place Saint-Lambert face au palais des princes-évêques à Liège justifie depuis novembre 1990 de nouvelles recherches archéologiques. Elles permettront de compléter les informations acquises en 1907 et d'autres acquises de 1977 à 1982. Afin de parvenir à explorer, dans des délais très courts, les 4500 mètres carrés menacés de destruction, le service des fouilles de la région wallonne s'est assuré l'aide du Centre de recherche archéologique de l'Université de Liège. À l'équipe du service des fouilles, composée d'un archéologue, d'un technicien et de 12 ouvriers, s'associent temporairement 2 autres archéologues et plusieurs stagiaires de l'Université de Liège. Le site, qui était encore à la fin des temps modernes le siège d'une imposante cathédrale, présente pour les chercheurs 2 atouts majeurs. L'ancienneté et la récurrence de ses occupations d'une part, la stigmatisation de la naissance du noyau urbain d'autre part. Au travers des modifications apportées pendant des millénaires à ce site, on peut encore discerner ce qui fit sa richesse. La place Saint-Lambert s'est établi sur une plaine alluviale s'étalant en pente douce vers le fleuve. Parfaitement exposée au sud, elle est protégée des vents par la colline du Publément. L'eau, qui découpait la ville en de multiples morceaux, était présente ici aussi. La Légia, formant à quelques mètres de sa confluence un delta, complétait la variété et la qualité de l'ensemble. Ces caractéristiques exceptionnelles y retiendront l'homme pendant plus de 50 000 ans. Les armes mésolithiques illustrent le passage de chasseurs nomades vers 50 000 ans et 6 500 ans avant notre ère. Parmi ces occupations très anciennes, on retiendra l'implantation du premier village par les agriculteurs et éleveurs danubiens au milieu du 6e millénaire. Beaucoup plus tard, au 2e siècle après le Christ, les Romains construisent une villa. L'hypocauste, noyau du chauffage central, fut rendu visitable dès 1910. Il devint alors, aux yeux des Liégeois, le témoignage de leur origine ancienne. Les enduits peints ornant cette villa soulignent encore la richesse de sa décoration. Mérovingiens et carolingiens changeront ensuite la vocation du site. De rural, il deviendra urbain dès la fin du 7e siècle. L'histoire de la ville sera alors intimement liée à l'évolution ecclésiastique de ce centre, lieu du martyre de Saint-Lambert en 705 et pour lequel Saint-Hubert quittera Maastricht. Dans la deuxième moitié du 8e siècle, le siège de l'évêque sera transféré dans la cité ardente. Avec lui, les restes de Saint-Lambert seront rapatriés, enveloppés dans un linceul d'origine iranienne. Les édifices religieux se succéderont ensuite. La première cathédrale, attribuée à Saint-Hubert, fut érigée dans le courant du 8e siècle. Elle sera remplacée par l'imposant édifice ottonien. Deux chœurs, une énorme nef et deux transepts la caractérisent. Construite par le célèbre prince-évêque Nodge, elle fut incendiée en 1185. Un édifice gothique dont la construction s'étale du XIIIe siècle au XVe siècle lui succédera. De cet important ensemble, dont la destruction fut votée en 1793, il ne subsiste que le palais des princes-évêques. À la fin de l'époque mérovingienne, un village s'étendait sur la place. Les restes de faune, les tessons de céramique, les morceaux de verre et une série d'autres objets nous démontrent son importance. On On pourrait d'ailleurs penser que ce n'est plus tout à fait un village, tant les modules des habitations sont standardisés, tant la nature environnante est maîtrisée, transformée. On est à deux pas de la formation de la ville, dont les initiateurs sont Saint-Lambert et Saint-Hubert. En quelques années, à la fin du 8e siècle, le centre se dote d'une cathédrale et, à ses côtés, des bâtiments luxueux ornés d'enduits peints et de mosaïques. Siège de l'évêché ou premier cloître, cet ensemble fait table rase du village de jadis et engendre un report des activités domestiques à sa périphérie. L'édification d'une cathédrale est une entreprise de longue haleine. Rares sont celles qui furent achevées en moins d'un siècle. Le manque de ressources du chapitre, les aléas politiques ont été les principales causes de cette lenteur. On travailla à celle de Saint-Lambert durant 400 ans, dès 1189. Au cours de cette période, la décoration sculptée apportée à l'extérieur de l'édifice fut importante. Elle se localisait principalement au portail. Les vestiges découverts se rattachent aux différents courants stylistiques et aux influences qui ont alors imprégné la sculpture de nos régions. L'originalité du substrat mosan s'observe dès la seconde moitié du XIIe siècle. Elle apparaît encore dans la seconde moitié du XIVe siècle, conjuguée à l'influence du gothique français. Avec les témoins de la première moitié du siècle suivant, se marque le rayonnement de l'art brabançon. La variété des matériaux reflète aussi les différents chantiers qui se succédèrent à l'édification du monument. Des polychromies raffinées y ont laissé des indices supplémentaires. Le cloître occidental, actuellement en cours de fouille, recèle un grand nombre de sépultures. Leur conception et le soin apporté lors de l'inhumation étonnent les archéologues. Les matériaux mis en œuvre sont importés, pierres de sable, dalles de schiste. Ils sont minutieusement appareillés. Parfois, une inscription nous éclaire sur l'origine de la sépulture. Elle s'échelonne du XIIIe au XVIIe siècle. Une multitude d'indices, d'objets, démontrent la qualité de ces inhumations. Pierre de chevet accueille la tête d'un défunt. Il est vêtu et porte une ceinture à la taille. Quelques pièces de monnaie ont été oubliées dans les poches. Dans les mains, repliées sur le ventre, il tient un gobelet ou un calice en verre. Enfin, il est entouré d'encensoirs en terre cuite, témoignage de l'ultime cérémonie qui lui fut accordée. Beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, l'interdiction d'inhumer dans les églises nécessitera la construction d'une crypte à caveau. Le columbarium du cloître de Saint-Lambert sera équipé ensuite d'un ossuaire, réceptacle de choix pour les nombreux ossements humains découverts lors de travaux divers. Ce sont les ultimes témoignages architecturaux importants avant la Révolution. La périphérie de la cathédrale était aussi le siège d'un grand nombre d'activités domestiques. La variété des découvertes en est accrue. La fouille d'un puits transformé en fosse d'aisance dès le Moyen Âge permet la mise au jour de nombreux objets. Le milieu privilégié qui les a conservés intéresse particulièrement les archéologues, car au-delà de l'objet, on pourra, grâce à l'analyse du contenu de cette fosse, parler de son propriétaire, de son mode d'alimentation, de ses problèmes intestinaux. L'archéologie n'est plus seulement à la recherche d'objets ou de structures. Elle ausculte la moindre trace du passage de l'homme. C'est pourquoi elle requiert des méthodes de plus en plus sophistiquées faisant appel à autant de spécialistes, particulièrement dans les sites urbains où la densité des vestiges est importante. l'exploration du terrain constitue la partie visible de l'iceberg. De ces vestiges de l'homme, étalés sur plus de 50 000 ans, on ne pensait retenir qu'une multitude d'objets et quelques publications. Dans un souci légitime de ne pas effacer les traces de nos origines, un projet d'archéoforum est actuellement étudié par la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement. Cette crypte archéologique permettra de voir et de suivre l'évolution du cœur de la cité ardente et de mieux connaître ses occupants. Par ailleurs, l'exécutif régional wallon a donné à l'équipe du service des fouilles et à l'Université de Liège les moyens de poursuivre les recherches. En effet, dans un avenir très proche, le sous-sol de la route nationale traversant la place Saint-Lambert pourra être exploré. Ce sera l'occasion de mieux connaître encore notre passé et, simultanément, de préparer notre avenir. Thank you.